34 comme le nombre d'éditions. Depuis 1986, le Marathon des Sables a le même rituel. Les concurrents qui sont derrière moi sont placés avec le numéro 34. L'hélicoptère va les filmer. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dans le Marathon des Sables. Kilomètres 200 entre les localités d'El Bourouj et Tisser Dimine, la première étape s'est avérée très roulante. Content de retrouver le MDS. Et bon, pour le moment, ça va, la première, la petite montée là. Voilà, maintenant normalement ça devrait dérouler jusqu'à la fin. Je rigole toujours. Pour l'instant ça va bien, impec. C'est un vrai bonheur. Il fait pas trop chaud, il y a un peu de vent, ça fait un peu d'air frais. Et puis ouais, c'est juste magnifique, c'est magique comme d'habitude. Salut Sylvain, comment ça va? Premier problème de pied. Eh oui, ça y est, comme si j'avais crevé le pneu en 4x4, mais là ça commence à cloquer et je préfère traiter avant que ça s'empire. Au bout de l'Oued Nejar, Rachid Morabiti, Setup, le vainqueur de l'épreuve, dépasse la ligne d'arrivée après 2h19. Son petit frère Mohamed le suit d'une minute et 28 secondes. حاولت باش ناخذ نرجع اللور نخلي المنافسين ياخذوا المقدمه حتى 20 كيلومتر ووصلت عليهم وشنجيت الريتم وتفوقت عليهم الحمد لله. كتعرفوا اول مرحله ديما كيكون الساك ثقيل كيكون باقي ما كنتعودوش عليه والحمد لله هذه المرحله غتعطينا عاوتاني واحد الدعم للمراحل الاخرى. De retour après un an d'absence, Abdelaziz Barraza arrache la troisième place. Les cinq premiers sont marocains. Dertchoué ديال السرعه وي لانها رابيد اصلا هي ان لي طاب ديال اليوم كانت سريعه شويه ما فيهاش بزاف ديال الرمال ما فيهاش فيها البلا بزاف. Aujourd'hui, c'est une étape vraiment rapide, mais ça va très bien. Il y a un peu de montagne, un peu de dune, fash, du wad, vraiment ça va. J'ai aimé la partie dire la vérité. Et oui, ça fait du bien de me retrouver là. Mais bon, on verra si c'est lent encore. C'est très lent. Chez les dames, la favorite Ragna Debats a signé son entrée au Marathon des Sables. La championne du monde de trail 2018 néerlandaise remporte la première étape en 2h42 et 20 secondes. On peut dire que c'est une belle introduction, un peu de sable, un peu de traversée caillouteuse, de dunes, de plateaux rocailleux. Un très beau panorama, pas trop chaud, pas trop froid. J'ai vraiment aimé. Nice wind, not too hot, not too cold. So I really enjoyed it. Aziza Raji, seule concurrente marocaine, prend la seconde place. Pour son retour dans le désert après 4 ans, la Française Laurence Klein, triple vainqueur du MDS, prend la troisième place. Reporters, ils n'ont pas encore choisi. Ils sont de nombreux journalistes ici au Marathon des Sables à avoir la possibilité de couvrir l'événement de l'intérieur. C'est notre reportage d'aujourd'hui. Habituée des courses sur route, la journaliste du site français Running pour elle se lance dans une nouvelle expérience dans le désert. Et on est journaliste jusqu'à hier soir, on est passé en mode concurrent comme les autres, avec un sac, en laissant nos affaires. Et puis on va prendre le départ, voilà. Et je vais essayer de faire un retour, notamment pour montrer un petit peu la place des femmes, parce qu'elles ne sont pas très nombreuses, elles sont 20%. Mais pour montrer que ça peut être accessible et essayer de les faire venir et de leur donner envie de venir en tout cas. Je suis
quand même un peu anxieuse parce que j'ai jamais fait ça, mais en même temps je suis très contente parce que je sais que je vais pouvoir courir à mon rythme. Voilà, ça c'est mon camarade de chambre. Et je vais pouvoir courir à mon rythme, et puis l'idée c'est de faire plein d'images et surtout de ramener des belles images. Mi-journaliste, mi-coureur, Florian Kunkler a sillonné le monde de l'ultra-trail avec le célèbre quotidien français L'Équipe. Mais courir dans le désert, c'est une première pour lui. C'est la première fois que je suis sur le Marathon des Sables, ça fait plusieurs années que je voulais venir. C'est quand même une des courses références en termes d'ultra-endurance. Mon sentiment, je suis évidemment excité. On a quand même passé déjà deux nuits sur le bivouac, c'était hyper intéressant, c'était hyper sympa. Tout le monde commence à se connaître un peu, en tout cas quand tu es dans le même arrondissement de tente. Donc vraiment excité de prendre le départ. Cette première étape, longue de 32 km, passe par plusieurs points de contrôle. Votre émission s'est terminée pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder aussi sur les réseaux sociaux de 2M. Au revoir et à demain. Ciao !